Salut tout le monde, aujourd'hui dans cette vidéo, on est chez Baptiste. C'est ça, exactement, de Reptile Tech. Ouais, et puis, c'est ça. C'est ça, on va faire une Comme vous avez pu voir dans le titre, il a 19 ans. Exactement. Et déjà capacitaire. Pas mal de petits reptiles. Ouais. Une petite présentation, j'imagine, un petit tour c'est ça. De ce que j'ai à l'élevage. Aujourd'hui, on va essayer de découvrir c'est l'entreprise, l'identité Reptile C'est Tech. ça, exactement. Et puis surtout les projets d'élevage que j'ai ici. Voilà, pas mal de geckos et de serpents, c'est principalement ce que je fais. Surtout des animaux qui sont plutôt type arboricole et tropical. On va dire, je vais pas faire tout ce qui est Ouais. désertique, tout ça. Ouais, ton dada, c'est le tropical. C'est ça, tropical. Ce sont les animaux qui font partie du tropical. Ouais, c'est ça, exactement. Baptiste, ce que je te propose, c'est que on va parler un petit peu de ton entreprise et de Ouais, toi, ton parcours. Puis exact. après, on va aller faire un petit tour de ces animaux. Qu'est-ce que tu proposes À à l'élevage, en termes de l'élevage? ventre, Voilà. pro et tout, ouais. C'est ça. Et aussi, les animaux que t'aimes Ouais, bien dans le sûr. domaine de Ce la que je kiffe terrarium. et que j'aimerais peut-être avoir dans les projets futurs. Et ben, pour commencer, du coup, bah, comme il l'a dit, j'ai 19 ans. Quand même assez jeune et je baigne dans les reptiles depuis quand même plusieurs années, hein. Moi, j'ai commencé à l'âge de 13 ans à avoir premier serpent, bon, comme tout le monde, python et juste classique. Mais après, je suis vite parti sur du viridis parce que moi, c'est vraiment une de mes espèces que je kiffe énormément. Ça a été dans le Morelia C'est viridis, ça a ça. été tes premiers serpents. C'est ça. En fait, D'accord. c'est ce que je voulais au début, mais on m'a tout de suite conseillé le Régus. Et donc, du coup, bon, j'ai quand même commencé avec du Régus, même si je préférais le Viridis. Puis voilà, j'en ai eu directement, j'en ai eu après, un an après avoir Tu te commencé les souviens de reptiles. ta première La première localité? localité, c'était Dubiac. Ah, C'était Dubiac, Dubiac et il était rouge, vraiment. J'ai encore des photos. Franchement, top. C'est là que j'ai commencé à kiffer. Bon, il était vachement ténu, hein. C'était Après, la aucune localité manipulation. Biak, ça reste quand même la localité la plus timide, on va dire, la C'est plus ça. réceptive au Et un peu mouvement. stressé, tout ça, mais on va voir des autres localités qui sont vachement cool. Puis du coup, en termes de parcours, moi j'ai fait un bac pro TCVA. Du coup, c'est technicien conseiller, mais en gros, c'est de la vente en animalerie si vous préférez. Puis du coup, on apprend pas mal d'animaux, donc rongeurs, poissons, tout ça. Et du coup, ça, c'est t'as quel âge à peu près là? Là, j'avais environ 16 ans. De J'ai fait 16 un à, ça dure combien de temps? Alors moi, du coup, je suis de fin d'année. En soi, j'ai commencé ma troisième, j'avais 14 ans. Et après, du coup, j'ai terminé à 17 ans. J'ai eu mon bac à 17 ans. L'avantage aussi de la formation, c'est qu'elle donne aussi un certificat de capacité, en tout cas de vente et transit. Donc déjà sur pas mal d'animaux, donc rongeurs, poissons, tout ça. Et après, j'ai juste eu besoin de faire une extension pour avoir plus de reptiles, hein, parce que voilà, moi ce que j'avais sur mon certif, c'était du style gecko léopard, python régus et boa. Je devais en avoir 5-6, quoi. Et après, j'ai posé vraiment un plus gros kappa Un plus sur gros d'autres capa, geckos, tout Du ça. coup, t'es capacitaire sur quoi au niveau reptile? En soi, tout ce qui est en détention libre, voilà, alors, j'ai pas encore, même si j'aimerais bien peut-être dans des projets futurs avoir des choses comme un petit peu de venimeux ou des espèces un peu considérées comme dangereuses en termes de taille, tout ça et de volume, Ouais, c'est ça. Simalia, Et tout ce qu'il ça. faut savoir, c'est quand vous passez votre certificat de capacité, il y a une première demande qu'on peut effectuer avec des animaux. Et après, on repasse pas, comment dire, un certificat de De A à capacité de Z. A à Z. Ouais. On demande une extension de capacité sur les espèces précises qu'on va notifier sur la prochaine demande de l'extension de capacité. C'est Du coup, ça. si je récapitule dans le domaine du reptile, t'es capacitaire tout animaux libres à la détention Ouais. qu'on peut retrouver dans les magasins de C'est reptiles, ça, un peu voilà, pas de. soumis, C'est ça. Moi, ce que voilà. j'appelle un peu les espèces, on va dire classiques, qu'on retrouve un peu de partout. Mais voilà, il n'y aura pas de venimeux ou de très gros Voilà, serpents. il n'y aura pas les dangereux et il n'y aura pas les plus de 3 mètres. Parce Ouais, c'est que ce qu'il ça. faut savoir, c'est un animal au-delà de 3 mètres, il faut un certificat de capacité. C'est ça, généralement On parle sur bien les d'une taille espèces. adulte, hein, C'est ça. fin de croissance. Exact. Et du Exact. coup, tu as un autre certificat de capacité Du coup, qui est bah, domestique. c'est ça. Ouais, pas mal aussi de DOM. Donc, en soi, chien, chat, rongeur, tout ça que j'ai passé aussi en cours. Et puis, du coup, après, par la suite, j'ai décidé de créer Reptile Tech. Ouais, t'as créé Reptile Tech il y a combien de En temps? soi, mon site, j'ai commencé à le créer en 2021. Mais là où je me suis vraiment mis dedans, c'est il y a plusieurs mois où je me suis dit, je cravache, je finis le site et je développe vraiment tout l'aspect élevage. Et puis du coup, bah, j'en suis là avec quand même un bon volume de bêtes, un petit peu de quantité. Puis je vais faire les premières bourses, tout ça, le logo, tout ce qui s'ensuit, Ouais, tout quoi. ce qui est à la création C'est ça, d'entreprise dans le domaine du exact. reptile. Et moi, je trouve ça super bien. C'est pour ça que j'ai contacté Baptiste. Pour lui proposer de faire une vidéo ensemble, parce qu'à 19 ans, monter son entreprise dans le domaine du reptile, c'est un challenge. Déjà, de monter une structure pour le reptile, c'est un challenge, mais d'autant plus quand tu as 19 ans, tu arrêtes ton travail et que tu te lances dans le projet de création C'est d'entreprise. ça.
Ouais, c'est beau, et moi je voulais partager ça avec vous sur la chaîne parce que c'est un parcours qui est super et qui est motivant pour tous ceux qui ont envie. Exactement. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que il y a quand même beaucoup de travail. Exact. Alors ouais, c'est ça. Alors ouais, ça peut paraître vraiment simple quand on dit ouais, voilà, tu te crées une petite entreprise dans le reptile, mais niveau paperasse, ça, on reste sur des animaux qui sont, enfin, honnêtement, c'est pas classique, j'élève pas des poules, quoi. Voilà. Voilà, donc c'est une énorme partie de paperasse pour faire les partenariats avec France Express et choses comme ça, c'était assez long. Voilà, il y a toute la partie logistique, on va dire, de transport, d'envoi, d'expédition, création de site. Et il y a la partie aussi élevage, où il y a toute la paperasse pour tous les animaux qui doit être identifiés depuis 2018. C'est ça, ouais. Depuis 2018, il y a une certaine liste d'animaux qui nous demandent une identification IFAP ou par puce ou par photo. Encore du travail pour maintenir et élever et vendre. Après, il y a toute la partie en interne qui est faire grandir les animaux, les reproduire. Après, je sais pas si toi, tu as des projets de reproduction. Ouais, j'ai pas mal de projets de reproduction. On va dire que je fais pas mal tout ce qui est gecko. Pareil, gecko tropico. Donc, je peux avoir du ciliatus. J'ai eu aussi de l'auriculatus pendant un moment. Bah, là, j'ai encore des pontes qui sont dans l'incubateur. Et puis là, du coup, ça fait un petit moment que je me penche un peu plus dans le serpent, dans le sens où voilà, j'ai envie de développer des projets là-dessus. Ouais. Un couple de McDowelly, un couple d'Elaf Carinata. Vous allez voir qui est vraiment… On va faire un petit peu le tour. Après, ouais, des animaux. Qui est sympa, mais on va dire dans les plus gros projets, on va dire de l'entreprise et de la structure, c'est vraiment tout ce qui est Viridis. Pour moi, c'est un peu ma marque de fabrique, j'ai envie de dire. C'est vraiment ton coup de cœur. C'est ça, le vert du logo, tout ça. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime. Et puis, d'autant plus, après, une autre partie dans le gecko, donc Guerra Marginata, qu'on présentera après. Un gecko qui est vraiment top, topissime. Donc, ça ressemble un peu à ce qui est sur mon logo, on va en montrer. On va en parler, mais ouais, tout c'est à l'heure. Ça, très. Mais du coup, ton cheval, c'est le Morelia Viridis. T'as envie de faire un gros projet là-dessus. Ouais, exactement. Sur le. Le Guerra Marginata. Voilà, c'est ouais, ça. C'est ça. Un gros projet d'élevage là-dessus en interne. Après, au niveau du site internet, tes disponibilités, ça va concerner en quoi, quel type d'animaux tu souhaites proposer aux gens? Ouais, c'est ça. Bah, alors en soi, moi, ça va être un petit peu bizarre parce qu'il n'y a pas énormément d'éleveurs qui ont les mêmes discours que nous. C'est déjà, je vais pas proposer des serpents pour débutants parce que j'aime pas ce mot-là, à vrai dire. Il n'y a pas vraiment de serpents ou de lézards qui sont pour débutants. Pour moi, on peut commencer à peu près avec tout tant qu'on est informé et que voilà, on connaît la bête et puis surtout le comportement de la bête, quoi. Mais pour moi, c'est vrai qu'on peut pas dire à tout le monde de commencer avec un Régus. Il y a des gens qui vont aimer, il y a des gens qui vont détester ça. Donc, j'ai pas mal de trucs des fois. Tu me conseilles quoi pour débuter? Est-ce que tu vas vendre du gecko léopard? C'est pas quelque chose que je vais faire. Je reste sur du tropical, j'arrive sur des espèces qui sont assez simples de maintien, le gecko à crête. Ouais, ce que tu vas pouvoir proposer sur ton site, c'est des animaux principalement tropicaux. C'est ça, principalement tropicaux et arboricoles. Moi, j'aime beaucoup. Ouais. À part des trucs qui changent un petit peu, des fois de l'élève carinata, on va dire que c'est. On va montrer parce que c'est une couleuvre qui me fait de l'œil depuis un moment. Je vous l'avoue, celle-là. Ouais. J'ai passé le cap avec les Pitchofis, vous avez vu, mais l'élève carinata me plaît bien aussi. Très sympa en termes de look, et puis ça ressemble énormément venimeux. Je connais beaucoup de gens qui, en fait, n'ont pas envie de passer les capas venimeux, et qui disent, en fait, c'est vraiment l'aspect, et puis surtout la sensation de manipuler du venimeux. Quoi. L'écaille est vraiment énorme, et c'est vraiment kiffant. En tout cas, merci Baptiste de m'accueillir chez toi, faire découvrir sur la chaîne. Ta structure que tu viens de commencer, maintenant, ça fait quoi, quelques mois? Ouais, ça fait quelques mois que je suis sur les réseaux et que, on va dire, je me montre un petit peu plus pour développer. Hein. Pour développer, sociaux, bien sûr. C'est une grosse aide, hein, clairement. Et je vous mettrai en lien de cette vidéo le site internet de Baptiste. Ouais. Si vous voulez aller jeter un œil, Baptiste, ah oui, aussi, tu proposes autre chose que des animaux aussi. Exactement. Ouais. Je fais pas mal aussi de nourriture, donc les insectes et les rongeurs congelés. Et puis, je vais développer aussi plus tard une autre partie plutôt type matériel que j'aimerais bien faire. Mais ça demande aussi une énorme logistique. Bien sûr. Vraiment entreposer tout le matos. Non, mais déjà, sur son site internet, vous allez pouvoir retrouver des animaux disponibles. C'est ça. Et de quoi alimenter les animaux, leur alimentation. Ça va rester que ça soit carné ou insectivore. C'est ça. Et même frugivore pour les animaux, les Corellofusiliatus, les gecko à crête. Et d'autres gecko. Et d'autres gecko qui sont aussi frugivores. Vous pouvez retrouver sur plusieurs formats les marques traditionnelles. Après, je sais pas. Moi, du coup, là, je suis en partenariat avec Gecko Nutrition. Donc ça, c'est ce que je vais pouvoir proposer sur le site. Moi, c'est une marque qui me plaît plutôt bien. Et puis, du coup, j'aime bien travailler avec eux. Moi, j'ai nourri avec ça. Donc, vous allez voir, c'est vraiment On se fait une petite présentation d'espèce. Ouais, ça exactement. Vous dit ça dépend par quoi tu veux commencer. Je peux te sortir des trucs plutôt cool et posés ou je peux te sortir direct les carinata. Eh ben, on va voir ça, c'est parti. Allez, c'est parti.
Alors, on va se retrouver avec une de tes premières espèces que tu veux nous présenter aujourd'hui. C'est ça, de l'Ilaf carinata. Ouais. Vraiment un serpent, un très très gros coup de cœur. À vrai dire, j'en voulais depuis longtemps et j'ai eu la chance du coup d'avoir un couple adulte comme ça. Donc moi j'ai le mâle et lui du coup il détient la femelle. Et franchement, c'est des superbes animaux, très très bons mangeurs. On est sur de la couleuvre asiatique, donc ils s'élèvent plutôt au frais. Ça reste quand même une grosse couleuvre. Ah oui, le mâle, j'ai un peu le déplié. On peut voir que c'est vraiment vraiment big. Du coup, on est plus sur du, on va dire un peu ratier et beaucoup plus terrestre. On va pas être sur de l'arbo, mais c'est vraiment magnifique. Enfin, comme tu peux voir les écailles, c'est vraiment impressionnant. Moi, c'est le seul serpent que j'ai vu comme ça avec. C'est beau et c'est vachement une écaillure carénée. C'est ça. Quand on dit Ilaf carinata, elle porte son nom. Carénée, tu peux nous donner une petite définition ou tu veux que je le fasse? Caréné, bon, je te laisse poursuivre si jamais tu as la définition exacte. Mais... J'ai pas la définition exacte, mais caréné, si vous voulez, c'est pas comme la majorité des serpents qui, quand on touche, c'est plutôt lisse. Là, vraiment, on sent écaille par écaille. C'est ça. Et puis après, une petite fun fact. Moi, personnellement, de tous mes serpents, sachant que j'ai du gros McDo Welly, j'ai une femelle qui fait plus de 5 kilos, c'est la morsure qui m'a fait le plus mal. Ouais. En fait, il faut savoir que, un peu comme au titre des aspidites, tu sais, aspidites ramsayi, ouais, et mélano, quand c'est des animaux qui mangent, en fait, ils ont tendance ça va être un peu méchant, mais éclater les proies. C'est-à-dire que, c'est des gros gloutons. Je lui donne un rat, le mâle, il va se jeter contre les murs avec le rat pour vraiment essayer de l'assommer au maximum. Et donc moi, je me suis déjà fait mordre une fois par le mâle, vraiment vite fait. Hein. Et ben, c'est la morsure qui m'a fait plus mal. C'est une douleur. Bah déjà, vraiment. Je sais pas si ça rend une vidéo, ça a quand même une grosse tête. Hein. Ah oui, bah là, c'est vraiment une grosse couleur. On peut voir. Hein. Puis du coup, ça a vraiment un peu en signe distinctif, vraiment une tête vraiment bien jaune. La femelle a un peu plus de jaune. On voit le dessous qui est vraiment noir. Et sympa. Là, il y a aussi plusieurs localités. Moi, une localité que j'aimerais vraiment beaucoup, c'est Utarendis, si je me trompe pas. Je connais quelques personnes qui en ont, c'est quand même assez rare, mais c'est vraiment des super belles couleuvres. Ça change un petit peu de ce qu'on peut retrouver des espèces un peu plus classiques, puisque j'aime bien, c'est les caillures surtout. Ouais, les caillures, et puis du coup, tu disais que c'était une espèce asiatique. C'est ça. Tu maintiens comment une Ilaf carinata En termes de terra ou de chauffage? Ouais, en parlant en tant qu'individu, pas en tant qu'entreprise, hein, pas en tant que société, mais tu maintiendrais comment en terrarium, Personnellement, en termes de taille de terrarium, bon, c'est quand même de la couleuvre, donc c'est vrai que ça bouge quand même beaucoup plus que tout ce qui est un peu des familles des pythonidés. Ouais. Mais en soi, vous pourrez partir sur du 1m50 si vous partez sur du mâle. En tout cas, ça peut être quand même assez balèze. 1m50, 1m80, ça peut être pas mal. Mettez-lui quand même 60 de haut. Je trouve que c'est, mine de rien, même si c'est plus théâtre, de temps en temps, j'ai tendance à les voir en train de grimper. Mais le gros avantage surtout, c'est le chauffage. Quand on est sur de l'espèce asiatique, ce que pas mal de gens des fois ne savent pas, si vous partez sur des gonios, de la couleuvre des bambous ou même de la carinata, c'est que vous aurez, enfin, en termes de chauffage, vous en mettez quasiment pas, quoi. Si vous êtes dans une pièce avec une bonne température ambiante, là, on doit être à plus de 20 degrés, c'est parfait. Parce qu'il faut savoir que ça, c'est des espèces qui, en reproduction, faut vraiment des températures hyper basses. C'est pour ça que c'est assez compliqué et que moi j'ai pas pu les faire reproduire cette année. Il faut environ. Du coup, en maintien de tapis. Allez, pas de tapis chauffant. Ah bah du coup, en température ambiante, à peu près d'une vingtaine de degrés. C'est ça. Et puis ouais, les reproductions, c'est 15 degrés. Enfin, faut les atteindre les 15 degrés. Donc c'est soit cave à vin, soit garage. Et l'ancien propriétaire qui les avait, il était vers la Bretagne. Il les maintenait en extérieur tout l'hiver. Ah ouais. C'est vraiment un truc de fou. Et même s'il atteignait du négatif, elles sont impeccables. Elles ont toujours bien mangé. La femelle, elle a juste un petit défaut sur le dos. Parce que vu qu'elle était en extérieur, c'était une sorte de grillage fin. Et du coup, elle s'était un petit peu frottée au niveau du dos. Mais sinon, c'est des animaux qui sont vraiment impeccables. La femelle, elle est vraiment noire et jaune. Et le mâle, on peut voir quand même qu'il est plutôt blanc. Ouais. À certains endroits. C'est ça. Et le Utarendis, c'est vraiment différent en termes... C'est pas vraiment du noir. C'est un peu plus éclairci. Et je trouve que c'est magnifique. Par contre, c'est quand même très rare, quoi. Super, franchement, voilà. Une belle découverte, une belle espèce. C'est ça. Une grosse couleuvre asiatique. Et puis après, on va sortir aussi d'autres petits individus. En couleuvre asiatique, en soi, j'en ai plusieurs. J'ai aussi de la couleuvre des bambous. Ouais. Puis du coup, une espèce que j'aime aussi énormément, c'est de la beauté bleue du Vietnam. On la présente tout de suite. C'est parti. Voilà, on sort un nouvel individu, de la beauté bleue du Vietnam. Alors, faut savoir que c'est quand même assez balèze. Hein. Ça fait partie des grosses couleuvres asiatiques. Mais franchement, en termes de comportement, ça peut paraître quand même super vif et agrafeur, mais une fois que c'est sorti du terrain, c'est quand même beaucoup plus cool. Puis on part sur un animal qui a vraiment pas mal du coup de bleu grisâtre. Ouais, c'est magnifique, c'est très beau. Ouais, pas de chauffage aussi,
un peu d'humidité. Ouais. Mais voilà, c'est souvent le caractère qui est remis en jeu, comme quoi c'est assez horrible, c'est hyper mordeur, mais en soi, regardez, quand on est calme avec les animaux, y a après, pas de raison. C'est toute une méthode d'intervention sur les animaux. C'est des règles qu'il faut connaître, et ça se fait avec l'expérience. C'est ça. Quand on sait manipuler, on réduit les chances de se faire mordre. Ça. Puis là, on est sur une femelle qui est adulte, et il faut savoir que souvent les mâles, bah là où je l'ai acheté, alors j'ai plus exactement le nom de l'élevage, j'ai acheté à Nîmes il y a quelques années, je devais avoir 16 ans. Et ils avaient un mâle qui avait dépassé les 3 mètres. Faut savoir qu'en couleuvre asiatique, certains deviennent quand même assez balèzes. Super balèze, ouais. Prenez bien en considération quand vous partez sur des espèces comme ça, que ce sont des serpents qui deviennent très grands. C'est ça. Donc des installations en conséquence. Bien sûr. Le maintien, quand on dit pas de chauffage, c'est minimum 20. Oui, voilà, c'est voilà. Ça. Si, je tiens, parce que c'est souvent qu'on dit pas de chauffage, mais en fait, c'est 20. C'est ça. C'est En hiver, si votre habitation est en dessous de 20, pensez à, voilà, il faut mettre le chauffage. C'est un petit chauffage, mais là, c'est pareil. C'est quelque chose que je voulais reproduire il y a quelques années, mais au final, pareil, il faut descendre les températures à mort. Et j'avais pas de garage, tout ça, donc c'était pas possible. Et sinon, la seule chose qu'il faudrait faire, c'est acheter une grosse cave à vin et la descendre vers les 15 degrés. Pour avoir plus de chances de repos. Après, il y en a des fois qui les repos sans la baisse de température. C'est ça. Mais c'est une chance sur 10. Mais voilà. Du vraiment, coup, maintien, si je récap un peu, température de 20 degrés à peu près. Un des terrariums qui sont plus type en hauteur, tu vois. Type arboricole. Même si la largeur, parce que ça, alors l'avantage aussi de cette espèce-là et de pas mal de couleuvres un peu qui sont arboricoles, c'est que ça bouge tout le temps. On les voit tout le temps dehors. Et puis, on les voit la journée dehors. La nuit, c'est pareil, ça chasse. Et ça, c'est vraiment sympa. Enfin, c'est pas, je critique pas du tout, hein, mais c'est pas du Régus, on va dire, qui est trois quarts du temps dans sa cachette. De toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est tout ce qui est colubridé, ça bouge. C'est ça. Quand on rentre dans du pitoïdé ou du boïdé, ce sont des animaux un peu plus placides. Il faut le savoir, hein. Ouais, bien sûr. Mais c'est aussi les mœurs de l'animal. C'est les mœurs de l'animal. Même une couleuvre qui est nocturne sera beaucoup plus, elle bougera beaucoup plus qu'un python. Puis c'est aussi les comportements. Il y a beaucoup. Alors la plupart des espèces de pitonidés, exemple, si on passe sur du viridis ou ça va chasser à l'affût, c'est-à-dire que ça reste sur sa branche et du moment qu'il y a une proie qui arrive devant lui, il va le choper. Mais de la couleuvre, là, par contre, ça va vraiment chasser un individu, un rongeur, un oiseau. Je lui mets un truc à l'autre bout de son terrain, elle va venir direct, quoi. Ouais, t'inquiète. Et du coup, cycle de nourrissage. Alors moi, ce que je fais, c'est un cycle un peu naturel. Ouais. C'est-à-dire que je suis pas partisan du tous les samedis à partir de 19h30, ils ont tous leur rat. Moi, c'est vraiment en fonction de l'animal. C'est-à-dire que je vois qu'il est en mue, bah voilà, je vais pas le nourrir pendant un certain temps. Même si, exemple, toutes les couleuvres, on va dire oui, c'est toutes les 3 semaines. Des fois, je leur fais un jeûne d'un mois. Ça. Et par contre, j'ai aucun refus de nourrissage sur toutes mes bêtes, parce que des fois, vous voyez, je vais nourrir, j'ai nourri, exemple, une à deux fois par semaine. Des fois, même ça arrive sur les carinata. D'un coup, je m'arrête pendant un mois, et c'est vraiment plusieurs cycles, quoi. C'est ça, en fait, en captivité, on a trop des tendances à nourrir nos animaux. C'est quelque chose que j'avais fait une vidéo là-dessus. Mmh. C'est une notion qu'aujourd'hui il faut reprendre en considération parce que le principe de une fois par semaine et à chaque fois donné par rapport au corps, moi je suis contre dans le sens parce que un animal, un serpent, ça grandit toute sa vie. C'est ça. Et on se retrouve aujourd'hui sur en captivité, je sais pas si tu vas être d'accord, de voir des animaux qui sont très grands et très gros, puis qui sont obèses. Même on des localités qui sont censées être naines, clairement, sont plus naines. Détail voilà, énorme. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les serpents, ils grandissent en fait à chaque fois. Et plus, par exemple, vous dites bon, je pars sur ce diamètre de corps, ok, elle va manger, elle va grandir, elle va grossir. Du coup, on va faire quoi si on prend le principe? On va augmenter les tailles. On va augmenter les tailles et c'est ainsi qu'il s'arrête jamais. Ah c'est ça. Et puis à la fin, il est énorme. Moi, voilà. Des fois, je vois surtout sur les viridis. Faut savoir que j'ai lu quand même pas mal de livres, tout ça, pour me renseigner vraiment à 100%. Pour les viridis, en tout cas, des fois, on voit dans la nature, ils ont peut-être, 3-4 fois, des fois même par an. C'est ça. Et nous, on va les nourrir vraiment limite toutes les 2 semaines. Donc, c'est quand même bien trop. Et la nature, ils galèrent. Hein, voilà. Ça reste quand même une difficulté de pouvoir dire, bon, je nourris tant. C'est pas facile comme question. C'est pour ça que toi et moi, je fais pareil. Hein, je fais exactement pareil. Il y a des fois, c'est toutes les semaines. En fait, moi, ce que je fais chez moi, je marche par saison. Printemps, été, je nourris bien. Abondamment. Voilà, en mode, on est au printemps, ils vont se reproduire. Mais c'est ce qu'il y a dans la nature en soi. Dans la nature, les rongeurs, ils ressortent. Par contre, en hiver, dès qu'on arrive en automne, je commence à ralentir. En hiver, je commence à ralentir, mais j'arrête pas parce que je fais pas d'hibernation.
Puis en soi, ça fait des saisons. Et puis, voilà, après, je repars comme ça. Et je me dis pas, oh, bah, on est mardi, bon, c'est l'heure de nourrir sage. Ils mangent pas, ils mangeront la semaine prochaine. Et puis, c'est pas grave, tu vois. Parce que, des fois, je vois des gens, ah, mon gecko, mon serpent, ça fait 2-3 jours qu'ils mangent pas, c'est un problème. Non, en fait. Bah, d'autant plus sur les serpents. Les geckos, encore, plus. Voilà. Les geckos, s'ils ont pas mangé pendant 2 semaines, là, il y a un problème. Mais je veux dire, un serpent, des fois, oui, j'ai essayé de le nourrir ce mois-ci, il a pas mangé, c'est très grave. Mais pas du tout, en fait, dans la nature, des fois, ils sont des jeunes de 6 mois. Moi, j'ai remarqué en captivité, pour mes Léonis, pour ceux qui sont, qui suivent la chaîne, mais Mélampropeltis Léonis, au Mexique, il n'y a pas d'hiver, et pourtant, vu qu'ils vivent en France et qu'ils sont NC, de parents NC, et ainsi de suite, eh ben, en hiver, ils mangent plus. Ouais, alors, ils sont, il faut prendre, je pense, aussi la notion de où on vit en Europe, en France. Ouais, aussi. Ce sont des animaux nés en captivité, issus de la captivité, ils ont une adaptation. Ils ont une adaptation. Ouais. Ouais, une adaptation. Et puis même des fois, alors moi je remarque plus ça, exemple, sur du Boeleni. Exemple, c'est des spécimens qui habitent dans les montagnes, vraiment au fin fond des montagnes, en altitude. Bah, exemple, quand on essaye de les faire reproduire en France, on a beaucoup de difficultés, même si bon, j'en ai pas et j'aimerais bien en avoir plus tard. Mais on va dire que c'est un animal qui est très très dur à faire reproduire. Mais pourquoi? Parce que nous en France, bah, à vrai dire, si on habite en appartement, en maison, d'une part, on n'a pas le climat, puis mine de rien, l'altitude. Enfin, pour un animal, ça se ressent, quoi. C'est ça. S'il habite au fin fond des montagnes, et que d'un coup on le met dans l'Ain, c'est-à-dire les plaines. Pour moi, il y a quelque chose qui peut jouer, possiblement. Grave. Voilà. La petite beauté bleue. Beauté bleue du Vietnam. C'est ça. Un nom magnifique et franchement un superbe serpent. Un super serpent. On passe à une autre. Allez, ou à un autre. C'est parti. Du coup, Baptiste, on va partir sur quoi comme espèce là? Alors là, c'est totalement différent. On part sur du gecko. Moi, c'est des geckos que j'adore. Du coup, c'est Myrogecko chawa, un nom scientifique un peu compliqué. Et donc ça se rapproche quand même fortement du Lecanus, pour ceux qui connaissent, hein, le plus gros gecko du monde. En fait, on va retrouver beaucoup de choses similaires, comme les couleurs et un peu ce sort de camouflage. Du coup, on a plusieurs spécimens. On a des spécimens qui sont plutôt ce qu'on appelle mainland, donc c'est une localité. C'est des spécimens qui vont être quand même un petit peu plus petits, si je les mets les deux à côté. Et là, on est sur un spécimen qui est ce qu'on appelle île des pins, donc qui va être quand même beaucoup plus gros. Et donc là, un peu au niveau de la morphe, c'est ce qu'on appelle des Japan Line. Donc on peut voir en termes de couleurs, ils sont totalement différents. J'en ai un qui est un peu plus rouge marron ici, et sur la droite, il y en a un qui a vraiment un collier vert. Donc là, c'est deux spécimens qui sont importés du Japon. Les deux qui sont ici, du coup, c'est un couple. C'est super beau. C'est magnifique. Là, c'est vraiment du collier vert. Et ce qu'il faut savoir pour ceux qui connaissent pas, pour du gecko, il y a ce qu'on appelle le Fire Up, les couleurs de jour et les couleurs de nuit. Donc là, ils sont en couleur de jour, hein. Honnêtement, ils peuvent être beaucoup plus beaux. Ah bah là, déjà, je peux vous dire qu'ils sont déjà magnifiques. Ouais, ça va. J'espère qu'on le voit bien en vidéo. Ces nuances de rouge, de vert et les petits points blancs. Moi, j'aime bien les petits points blancs. Et ce qu'on remarque aussi, ce que je kiffe, c'est le dessous. Vous voyez, le dessous, on dirait vraiment, c'est le dessous pistache, quoi. Et sur les autres, on remarque que c'est un peu différent. Vous voyez, comme sur celle-ci, hop, vous voyez. C'est pas les mêmes couleurs, c'est pas les mêmes designs, tout ça. Et donc des chawas ici, j'en ai plusieurs. Donc j'ai du mainland, un peu classique comme celui qui est juste ici. Donc là, alors bon, je vais parler peut-être un petit peu chinois pour les gens qui connaissent pas. Faut savoir qu'il y a beaucoup de lignées dans les geckos, surtout dans les chawas et dans les lecanus. Donc là, c'est ce qu'on appelle du F2. Donc c'est-à-dire que c'est la deuxième génération après tout ce qui est des spécimens sauvages. Donc ça se rapproche très fortement des spécimens sauvages. C'est-à-dire que du coup ses grands-parents étaient issus du milieu naturel. Donc c'est quelque chose d'assez recherché souvent, ce qui se rapproche le plus possible du naturel. Et donc là on est sur des animaux qui sont de la lignée Henkel. Donc Henkel, je sais pas si tu connais, c'est celui qui a découvert les Uroplatus henkeli, qui leur a donné leur nom. Donc voilà. D'ailleurs que j'ai pu filmer Uroplatus, très sympa. Je kifferais en avoir, mais par contre, c'est vraiment en termes de température, faut vraiment du frais. Tandis que le chawa, donc ça fait partie du coup des néo-calédoniens, c'est-à-dire que tout ce qui est Ciliatus, Lecanus, Gecko sarrasinorum, les chawa, ça fait partie vraiment d'un ensemble, un peu d'une sorte de grosse famille. Ça s'élève quasiment tout pareil. C'est à la fois insectivore et frugivore. En termes de maintenance, c'est les gecko, je pense, c'est plus simple à maintenir. Ça se maintient comme un gecko à crête. Ah exactement, le gradient thermique c'est entre à peu près 18 et ça peut aller on va dire jusqu'à 27. D'accord. Donc c'est vraiment un gradient qui est énorme quoi.
Voilà, et c'est pour ça aussi que je trouve ça cool, parce que c'est très très simple, que ce soit d'entretien ou même de maintenance. Ouais, j'adore la couleur verte, là, c'est magnifique en fait. Voilà, du coup, c'est le mâle qui est juste ici. On voit qu'il y a quand même une belle différence de taille, mais il y a tellement de couleurs qui peuvent exister dans le chawa. L'avantage, c'est que tous les petits ne ressortent pas pareil. C'est-à-dire qu'on peut faire reproduire les deux. Il y en aura qui auront vraiment le collier vert, il y en aura qui vont avoir un peu plus de rouge sur le corps, d'autres plus de vert. C'est ça que c'est. Franchement, je découvre cette espèce et que c'est une dinguerie. C'est ça. Clairement, moi, avec mes petits geckos à crête, déjà que je kiffe, là, j'aime beaucoup l'aspect de l'animal. Les yeux aussi, ouais, magnifique. C'est un peu plus prononcé que les geckos à crête au niveau de la taille des yeux. Et puis, cette couleur de mélange de rouge, de vert et avec les petits points blancs et tout, j'aime beaucoup. Puis c'est aussi un petit peu plus gros que du coup justement du gecko à crête, ouais. C'est ça l'avantage. Après c'est pas aussi gros que du Lecanus. Donc là on est sur des spécimens, on va dire c'est les plus gros qu'on peut retrouver. De l'île des Pins, c'est la plus grosse localité. Ouais, puis on est sur des spécimens adultes. Il a du noir en plus celui-là. C'est ça, voilà. Puis ça fait des petits jumps hein, comme tous les autres geckos. Mais c'est vraiment c'est bien bien top. C'est vraiment sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça super beau. Mais je vais en sortir d'autres de chawa pour vraiment les différences entre les localités. Je vais sortir un couple de granit. Allez, on va être sortir déçu. Un couple de granit. Allez, c'est parti. Du coup, Baptiste, là, on part sur les granites, c'est exactement. Ça. Alors, les granites, moi, il y a un bon signe distinctif pour les reconnaître. Ouais. Bon, là, en soi, ils sont en couleur de jour, donc on reconnaît un petit peu le mâle qui a vraiment du granit au niveau des flancs. Mais la meilleure technique que je puisse donner, c'est surtout au niveau de la ventrale. Hop, on va essayer de le montrer. Comparé aux autres où c'était vraiment zébré, là, c'est vraiment, comme on peut appeler ça, granit. Okay. Ça fait plein de petits points noirs, surtout sur le mâle, ça se voit bien. Vas-y. Voilà. À ce niveau-là, ça fait plein de petits pointillés qui va faire, on va dire, cette couleur granit. Donc, c'est un peu une mutation génétique, comme on peut appeler ça. D'accord. Voilà, on retrouve des spécimens qui ont plein de petits points noirs. Mais lui, la nuit, il est vraiment totalement vert. Et puis, du coup, sur tous les côtés, ça fait vraiment des petites taches noires, rouges, tout ça, granit. C'est super beau, franchement. Mais ça change énormément de couleur. Moi, je découvre le chawa, c'est la première fois que j'en vois. C'est ça. J'ai une question. Ouais. Les chawas, c'est comme les geckos à crête, ils perdent leur queue ou non? C'est très, je crois qu'il y en a un sur 100 000 qui perdent sa queue. C'est super rare. C'est pas des c'est animaux. Moins courant que les. Beaucoup moins courant. Ouais, même en les stressant, tout ça, ils vont pas la perdre, on va dire. Et s'ils la perdent, ça repousse. Et ça repousse. Ça repousse en plus. C'est comme le Lecanus, ça peut perdre sa queue. Moi, j'avais jamais vu ça. Mais ça peut. Ouais, et ça repousse vraiment à l'identique. Ouais, c'est pas comme le geckos à crête, ça repousse. C'est ça. Exemple, là, les juvéniles, quand on fait de la reproduction, on peut mettre un terra avec, exemple, un bac de grossissement, on peut mettre 3-4 juvéniles ensemble, il n'y aura pas de souci. D'accord. Tandis qu'un ciliatus, quand ils sont vraiment jeunes, on va éviter de tous les mélanger. Voilà. D'accord. Du coup, une question qui me vient, ouais. Ça se maintient-tu en groupe? Comment on maintient ces animaux? Ça peut se maintenir en groupe. Alors, ça dépend. Des fois, on peut maintenir, comme les ciliatus, en couple. Mais ça dépend. Faut vraiment voir le caractère du mâle. Ouais, c'est ça. Moi, c'est des fois, comme moi, je vous ai montré sur ma vidéo, je maintiens mon trio ensemble. C'est parce qu'ils s'entendent bien. C'est ça. Autrement, il y a les terrariums pour séparer, mais... Des fois, on retrouve des mâles qui sont vraiment H24 sur les femelles. C'est ça. Et les chawas, je trouve qu'ils sont beaucoup moins là-dessus. C'est-à-dire qu'ils vont se reproduire de temps en temps, mais ils vont pas harceler les femelles tout le temps. Là, ceux-là, je les maintiens en couple. Les Japan avec le collier vert, pareil, en couple. Et les Mainland, du coup, les F2 de Henkel, eux, je les maintiens en trio. Et franchement, ça marche du feu de Dieu. C'est vraiment top. Alors, de temps en temps, ce qui est un petit peu dommage, je trouve, sur l'espèce, c'est que les œufs sont vraiment gros. Je vais pouvoir en montrer un juste après. Ouais. Mais en fait, quand les femelles pondent, elles ont tendance à perdre un petit peu de poids. Parce que vous allez voir, la taille des œufs, c'est démesuré. Hein. Ça fait vraiment la taille de toute la ventrale. Donc, elle a tendance à perdre un petit peu, mais en soi, elle reprend du poids très, très vite. Mais franchement, c'est une belle espèce. D'ailleurs, en commentaire, les amis, mettez l'espèce que vous avez préférée chez Baptiste. Exact. On va faire continuer le tour. Mmh. Et puis, on part sur quoi, tu sais? Eh ben là, je vais pouvoir peut-être montrer un œuf pour voir à peu près à quoi ça ressemble sur l'incubation. Allez. Donc là, du coup, je vais vous montrer vite fait un œuf à quoi ça ressemble. Vous voyez, comparé à la femelle, c'est vraiment énorme. Donc, il est très gros. Donc là, après celui-là, il est quasiment en fin. On peut voir vraiment, il est big, il y a le fœtus qui est formé à l'intérieur, tout ça. Donc, il grossit aussi pendant l'incubation. Il sort pas aussi gros, mais bon, c'est quand même big hein, en termes de volume comparé à la femelle, sachant qu'elle en fait quasiment deux à chaque fois. Alors, des fois, moi, c'est un peu en décalé. Il y a des femelles qui peuvent en lâcher deux directement, et des fois, elles peuvent en lâcher un, exemple, 2-3 jours après, lâcher le deuxième. Mais voilà, c'est juste les petites femelles qui peuvent des fois un petit peu, on peut voir un peu ça maigrir, mais après elles reprennent du poids très très vite. Ouais, c'est ça. Bah, de toute façon, à chaque ponte, c'est de la dépense d'énergie, donc. Ah, c'est ça, exactement.
Du coup, niveau maintenance, bon, pardon, j'aime pas ce mot maintenance, maintien. Ouais, en termes de maintien, bah du coup, comme on le disait tout à l'heure, comme du ciliatus. Ouais. Pareil, le gradient thermique, il est énorme. Hein. Franchement, des fois, j'en vois les élever à 19 degrés, des animaux qui vont vraiment à pack, donc qui sont un peu plus, on va dire, léthargiques, un petit peu plus lents, tout ça. Mais ça ressemble aussi un petit peu à l'uroplatus dans le sens où les chaleurs fraîches, ça va pas le déranger. Par contre, tout ce qui est grosse chaleur, faut vraiment faire gaffe. Voilà. Donc, pas au-dessus de 30 degrés. Du coup, pareil, le régime alimentaire. Frugivore, insectivore, ouais. Même si, par contre, un peu plus tendance insectivore. Tu vois que certains ciliatus, eux, je leur jette une boîte de grillons, ils vont les dégommer direct. C'est des très bons chasseurs. D'accord. Tandis que des ciliatus, sur certains, moi, il y en a qui prennent pas du tout les grillons. Ouais. Parce qu'ils ont pas été habitués à ça. Donc, voilà. Mais franchement, super simple de maintien. Les UV, vous pouvez en mettre ou pas. J'en ai mis dans certains terrains, j'ai pas vu les animaux dessous. Il y a toutes les écoles. Voilà. Mais, très très simple. Et puis, si l'hiver il fait vraiment froid chez vous, vous pouvez mettre un petit chauffage d'appoint, quelque chose de vite fait. Et c'est, ah oui, aussi, très gros avantage que j'ai oublié de citer, c'est les maladies. Il y en a quasiment pas. Enfin, il y en a pas. Il y en a pas qui ont été découverts jusqu'à présent. C'est des animaux en plus qui vivent super longtemps. Voilà, l'espérance de vie. Ouais, c'est je dirais que c'est même un peu plus que du ciliatus. Tu vois, les femelles là, tu peux les reproduire. À plus. Ah ouais. Ah, 15-20. D'accord. J'ai vu des femelles reproduire à 15 ans au chavois. Ok. Après, elles reproduisent quand même beaucoup moins. Mais c'est des animaux de 20 ans. Ça me paraît très bien. Le lécanus, dis-toi que c'est plus de 30 ans. Parce que, moi, j'ai jamais vu de lécanus mort de vieillesse. Et du chavois, c'est pareil. Mais ouais, chavois, 15 ans, ça se reproduit encore. C'est ça aussi qui est cool avec cette espèce-là. C'est qu'on peut les reproduire pendant plusieurs années. C'est ça aussi l'avantage. Non, c'est une super espèce. J'espère que ça vous fait plaisir. C'est ça. Et puis après, on va sortir d'autres petits trucs assez sympas, soit du plus gros gecko, peut-être du viridis que j'imagine les gens attendent. Allez, c'est parti. Baptiste, tu vas nous montrer un petit lézard qui fait pas mal de jump. Ouais, je voulais faire un petit aparté vraiment pour présenter l'espèce parce que pour moi, ça mérite d'être connu. Hop, Corellophus sarrasinorum. Ouais. Donc là, c'est ce qu'on appelle du white collar. On peut voir qu'au niveau du cou, il a vraiment une sorte de collier blanc. Alors oui, c'est des animaux qui jumpent. Hein. Faut pas s'inquiéter si des fois ils font des bons. C'est des geckos. À 1 mètre, 1,50 m, 2 mètres, même sans rien avoir. Et c'est vraiment, alors du coup, c'est un cousin du gecko à crête. Et pour moi, c'est vraiment magnifique. Donc moi, j'essaye de me former du coup des gros groupes là-dessus. C'est ce que je vais essayer de faire pour cette année, d'avoir pas mal de spécimens de grosse taille. Et ce que j'aime bien, c'est vous allez voir au niveau du dos, c'est les pointillés. Ouais, on dirait vraiment que c'est des pointillés au pinceau, quoi. Puis là, du coup, on est sur des animaux qui ont les pointillés symétriques. Et donc voilà, ils en ont plus ou moins. Il y en a ce qu'on peut appeler, des fois, ils ont ce qu'on appelle des drops. C'est-à-dire que, exemple, ça fait un gros pointillé qui vient au milieu du corps et qui s'éclate comme une grosse goutte, quoi. Et du coup, tu disais que c'était le cousin du... C'est ça. Bah, du coup, c'est Corellophus sarrasinorum. Donc c'est vraiment quasiment le plus proche. En soi, on voit au niveau de la tête, ça ressemble énormément... Hop. Il fait ses besoins, tranquille. Ça ressemble vraiment. Ça vit au même endroit. Ouais, c'est ça. Ça vit au même endroit. Ah, d'accord. Même maintien, tout ça. Et au niveau de la tête, tu vois, il y a quand même pas mal de signes. On dirait vachement du gecko à crête, mais du coup, juste sans la crête sur les côtés. Et là, c'est adulte. Ou non, ça va grandir encore un petit peu. Oui, c'est plus gros que du gecko à crête. D'accord. Ouais, c'est ça. Pour se donner un peu l'idée de la taille adulte de l'animal. C'est ça, exact. Mais vraiment Franchement, une petite espèce bien sympa. Ouais, je voulais faire un petit aparté parce que ça mérite d'être connu. Non, mais c'est intéressant de montrer un peu. C'est ça, exactement. C'est sympa. Bah, beau projet là-dessus. Mm. On va continuer à suivre sur les réseaux. Exact. C'est sur Insta. C'est ça, sur Insta, Facebook et TikTok aussi où je poste pas mal. Donc voilà, on va présenter les autres. Allez. Du coup, Baptiste, on part sur quelle espèce? Alors là, on part sur vraiment mon espèce préférée. Donc, ça s'appelle les Geyra marginata. Donc, c'était vraiment une espèce qui était très répandue avant. Donc, ça s'appelait même le lécanus du pauvre. Parce qu'on peut voir que c'est vraiment plutôt un gros gecko. Là, on est sur des spécimens qui sont même pas encore adultes. Et puis, ça fait un peu plus d'une trentaine de centimètres. C'est assez balèze. On peut voir aussi que ça a vraiment des... Hop, donc, ça fait aussi pas mal de jumps. Hein. C'est quand même assez vif. Et du coup, ça a vraiment des grosses griffes. Là, on va les voir. Et c'est vraiment des animaux qui sont vraiment cool, insectivores, c'est aussi frugivore, donc ça peut manger du gecko nutrition. Donc là, on peut voir que c'est la femelle qui est juste ici. On peut voir que malheureusement, elle s'est fait un petit peu becquetée par le mâle, parce qu'il faut savoir que tous les geckos, même toi, tu as dû voir, hein, c'est quand même, quand ils se reproduisent, c'est assez violent. C'est un peu brut, C'est assez violent. Mais en soi, de toute façon, ça va se régénérer très très vite. Donc c'est ça aussi l'avantage. Et ce que j'aime le plus sur cette espèce, c'est les changements de couleur. Vous voyez, c'est les deux mêmes spécimens. La femelle, là, a du blanc.
Le mâle, du coup, est un peu marbré noir. Et du coup, je t'enverrai quelques petites photos que j'ai prises il y a vraiment une trentaine de minutes, où les spécimens étaient quasiment tout blancs et même des fois tigrés blancs. Et du coup, en fait, c'est plein de choses. C'est le comportement, la chaleur, l'humidité. C'est plein de choses qui fait qu'on peut avoir des fois des changements de couleur. Et ça passe du tout au tout, tu vois. Les deux, la même espèce. Hop là. Petit jump. Je get le... C'est ça. Et du coup, là, ça fait des œufs qui sont totalement ronds. Donc, ça fait limite des petites balles de ping-pong. Il faut savoir que c'est des espèces aussi bon, qui peuvent des fois un petit peu mordre. Hein. Mais voilà. Ça ressemble quand même pas mal à du Lecanus, mais un petit peu moins coloré, je trouve. Ouais. Et du coup, ça se maintient comme les autres geckos que t'as Ça se maintient un petit peu plus chaud. Ouais. Là, j'aurais tendance à dire plutôt 27-28, tu vois, en termes de gradient. Mais en fait, c'est des geckos qui sont hyper primitifs. Donc tu vois, des fois même quand ils se font un petit peu mal, ça se régénère très très vite. Quand ils perdent leur queue, parce que ça peut les perdre, ça fait des queues de repousse en même pas un mois, toute la queue est reformée. C'est vraiment assez impressionnant. Moi, ce que j'aime le plus aussi, c'est franchement les griffes, vous voyez, pour la taille du gecko, elles sont balèzes. Ouais, j'espère que ça rend bien l'image. Ouais, mais de toute façon, j'ai des photos. Bah tu vois, là on voit super, ouais, on voit bien les grosses griffes que ça. Et un truc assez ouf, c'est le comportement. C'est un comportement, alors on a limite l'impression qu'il y a une intelligence qui est un petit peu plus grosse que sur certains autres geckos. C'est des spécimens qui sont assez craintifs, mais franchement avec la nourriture, ils sont super cool. Et ça vit où? C'est une localité, le nom, c'est juste une sous-espèce. Bah, en soi, Guerra marginata, ça vit pareil, plus sur des zones équatoriales, donc les tropiques, tout ça, mais c'est quand même un petit peu plus chaud que tout ce qui est gecko à crête. Voilà. D'accord. Et c'est des animaux adultes? Quasiment adultes, ouais. On peut, alors les autres, je peux pas les sortir, les vraiment gros, j'ai un gros couple reproducteur à côté, mais ils sont beaucoup plus craintifs, parce que ceux-là encore, j'ai eu le temps de les manipuler un petit peu en grandissant, tandis que les autres, je les ai directement eus adultes, donc j'ai pas eu le temps de faire un travail d'un peu de désensibilisation. Mais de temps en temps, je peux les nourrir à la main. Ouais. Et c'est ça qui est cool sur cette espèce. Super sympathique, c'est pas courant. Ah oui, puis surtout aussi l'incubation est quand même beaucoup plus grosse que les autres geckos. Là, on part sur, ça peut être 150 voire 180 jours. D'accord, ça en fait deux. Ça fait deux œufs, donc qui sont vraiment ronds. Et du coup, l'incubation, c'est souvent ce qui rebute le plus des gens, parce que les gens, ils veulent faire du rendement, ils veulent avoir du ciliatus, voilà, tous les mois, il y a les petits qui sortent, tout ça. Mais quand on leur dit d'attendre 180 jours, même des fois plus, ça rebute un petit peu. Mais ouais, moi, c'est l'espèce pas courante, du coup, en terrariophilie. Bah, du coup, là, il n'y en a plus du tout. Et moi, mon but, c'est d'avoir le plus gros élevage France et même Europe. Hein. C'est aussi de cette espèce. C'est ça, parce c'est que un beau projet. Hein. Ouais. Moi, j'adore. Je sais pas si la mise au point de l'œil va se faire. Ouais. L'œil est magnifique. C'est très très très. Là, on voit le spécimen comparé à tout à l'heure. Il commence à choper des petites marques un peu marbrées, un petit peu plus de blanc. La femelle, pareil, la dorsale est quand même devenue vachement blanche. Et c'est trop cool, quoi. C'est vraiment vraiment cool. Super espèce. On passe à la prochaine. Allez, c'est parti. Baptiste, on passe sur une espèce atypique. Ouais, assez vif. Alors, ça peut ressembler un peu à l'Uroplatus. Du coup, c'est du gecko volant. Et vraiment une espèce hyper cool. Donc là, c'est pareil. Il y a aussi un projet d'élevage. Donc, ouais. C'est un petit cosonculi. Des animaux qui s'élèvent quand même au frais. Et le projet que j'ai, c'est qu'en fait, malheureusement, sur ces animaux, comme un peu le toquet, t'as très peu de NC. D'accord. On retrouve vraiment que du prix en nature, à des prix, ça se retrouve, je crois, à 50 euros en prix nature. Mais le problème, c'est que, bah, comme tu le sais... Ouais, la nature, après, en captivité, c'est compliqué. C'est compliqué. Des fois, ils arrivent, ils mangent pas, ça se reproduit pas, c'est galère, on peut avoir de la mortalité. Moi, mon but, c'est, voilà, en faire France... Faire un travail sur du NC, sur cette espèce. C'est ça, de faire du NC. Parce que c'est dommage, je trouve, de pas en avoir. Ouais, montre-le, c'est franchement, c'est très, très joli, avec une queue, franchement, super jolie. Ça ressemble un peu à de l'Uroplatus, un peu dans le style camouflage et puis sur la queue. Alors, c'est principalement insectivore. Là, on pourra pas donner tout ce qui est gecko nutrition, tout ça. Et gecko volant, pourquoi? Parce qu'en fait, là, il a vraiment des lamelles de peau sur la ventrale. On verra pas, parce qu'il va sauter. Qui lui permettent vraiment de faire des vols planés. Mais c'est dingue. Hein. Et puis, sa queue, elle est plate. Aussi. Et ça lui fait quand même un petit gouvernail, je pense. Quand ouais, c'est ça, exactement, quand il saute. Et puis, ce que j'aimerais vraiment bien faire, c'est sur un juvénile, de faire un travail et que ça soit aussi cool que du gecko à crête. C'est comme le Guerra marginata qu'on a montré, des spécimens qui sont quand même assez vifs. Ce que je kifferais vraiment bien, c'est voilà, de les rendre plutôt cool, tu vois. C'est comme aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui font un travail avec les toquets, parce que les toquets, généralement, c'est quand même ça a du caractère, gueule et tout. Et j'avais vu, c'était une femme qui faisait ça, un gros travail de désensibilisation, et elle avait des toquets qui se manipulaient. C'est vrai que les geckos toquets, c'est des animaux qui sont magnifiques.
Mais pour la manipulation, c'est très, c'est un caractère, c'est un bon caractère. Et là, c'est un animal adulte ou pas du tout? C'est grand, comment ça, adulte? Bon, ils vont un petit peu plus grossir en termes de largeur, mais par contre, en termes de longueur, c'est vraiment adulte. Et ce qui est cool, c'est que ça vocalise. D'accord. Donc, un peu comme le Guerra Marginata, quand ils se reproduisent, on entend vraiment des vocalises dans la pièce. Je saurais pas dire exactement combien il y a de chants, sur cette espèce-là. Ouais, c'est super atypique, la forme de sa tête plutôt triangulaire, je sais pas si ça rend, mais. Avec plein de lamelles de peau, même au niveau de la tête, un peu des oreilles, tout ça. Avec cette queue, franchement, c'est un lézard très, très, très joli. Mais je trouve ça sympa en projet d'élevage. Je sais qu'il y a personne qui fait du NC quasiment. Mais c'est génial d'avoir des projets un peu particuliers. Puis ouais, je prône le NC sur toutes mes bêtes, des bêtes nées en captivité. C'est aussi le but de Reptiltech, c'est de pas faire de WC, tout ça, de prix en nature. C'est pas le but. Bah, c'est un peu le rôle de la captivité, hein. C'est laisser les animaux en nature, tranquillement dans leur nature. Et puis nous, de faire un travail. Des fois, on peut avoir un peu de casse, hein, ça c'est sûr. Quand on part sur des spécimens qui sont pris en nature, ça arrive qu'il y ait quelques petits problèmes. Mais justement, c'est fait pour ensuite les résoudre et avoir des bêtes qui sont super cool. Pour éviter tous les prélèvements par la suite. Bah, c'est ça, exactement. Puis, de toute façon, le prélèvement, je pense que ça va s'arrêter au bout d'un moment. Alors, je ne saurais pas dire exactement combien d'années. C'est aussi un peu de la sauvegarde d'une espèce aussi, parce qu'il y a des milieux naturels qui sont détruits par l'homme. Et qu'on perd des espèces dans le monde, et c'est un peu le but de la captivité, hein, c'est un peu notre passion qui est de maintenir des espèces qui vont peut-être être amenées à disparaître. C'est ça. Et c'est ça qui est beau dans la dans notre passion, qui est la terrariophilie, c'est aussi maintenir en captivité des animaux que peut-être un jour on reverra pas plus jamais. Bah c'est ça, exactement. Super espèce, j'espère que ça vous plaît. N'oubliez pas en commentaire. C'est-à-dire l'espèce qui vous plaît le plus. Il y a pas mal de petits geckos. En serpent, c'est vrai que j'en ai un petit peu moins. Mais des geckos, même les serpents, j'aime bien faire des choses qui sont un peu atypiques. Mais du coup, j'ai une question. Là, niveau lézard, on a terminé ou pas? On a terminé. Ouais. On va passer un gecko à crête, un super dalmatien. Allez, on va montrer quelques petits geckos à crête qui sont super sympathiques. Et après, on va passer à ce que moi j'adore, les Morelia. Surtout les Viridis qui plaisent énormément. Les Morelia, vous savez que j'adore les Morelia, j'en ai énormément. C'est parti. Allez. Alors là, Bat, on se retrouve avec les petits geckos à crête. Les petits geckos à crête. Petit aparté sur des animaux, on va dire, un petit peu plus classiques, mais par contre, qui sont de belles mutations. Donc toi, là, du coup, tu as un couple de super dalmatiens avec des animaux qui sont vraiment sympas, notamment le mâle qui a énormément de points noirs. De points et de... C'est ça. De couleurs super claires, c'est super beau. Et là, on retrouve du coup un couple. Alors là, du coup, j'ai un mâle Red Lily White. Donc après, là, il est en couleur de jour. Hein. Normalement, il est vraiment rouge sang. Puis on retrouve bien Lily White avec toute la dorsale blanche. Et du coup, une femelle qui est du coup un peu raide et qui ressemble un peu à la mutation Cream. Voilà. Une belle femelle qui est quand même bien grosse. Pour ceux qui ne savent pas, si jamais on ne peut pas reproduire deux Lily White ensemble, sinon ça donne du coup du leucistique. Puis généralement, ils tiennent ce ne sont pas des animaux qui sont viables. C'est ça, exactement. Ils sont amenés à mourir. Malheureusement, je crois que le maximum, ça tient que quelques mois à peine. Et c'est pour ça que du coup, il faut réussir à trouver en soi un autre animal pour faire le couple, mais qui ressemble à du Lily White, donc qui a un petit peu de blanc. Moi, j'ai bien aimé parce que celle-ci, elle a aussi un petit peu de rouge sur les flancs. Et voilà. Tandis que le dalmatien, par contre, on peut reproduire deux super dalmatiens. Deux super dalmatiens ensemble, et j'adore moi le dalmatien. Franchement, c'est la mutation que j'aime. Je trouve ça tellement beau. J'ai hâte de voir ce que les petits vont sortir. Ouais. La femelle là commence à être gravide, donc j'ai vraiment hâte. Des belles sélections, des beaux geckos. C'est ça. J'en ai encore d'autres, mais en soi là, je pense que c'est mes deux couples qui sont vraiment. Tes couples phares. Ouais. C'est ça, mes couples phares exactement. Ciliatus. J'adore les ciliatus, comme vous savez. J'ai aussi un petit trio. Ouais, ça, plutôt, ils pondent régulièrement. C'est des animaux qui sont cool, faciles d'entretien. Et puis, pour démarrer la repro, se faire la main, on va dire, sur les œufs, l'incubation, tout ça, je trouve que c'est... Bah, d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai 5-6 œufs en incubation. Je vous prépare un petit chose, quelque chose qui me tient à cœur. Je vous en parlerai prochainement sur le projet. Encore quelque chose à régler. Et puis, je vais essayer de vous proposer quelque chose par rapport au gecko à crête, parce que franchement, moi, j'ai pas de lézard à part le gecko à crête pour l'instant. Je vise un petit varan prochainement, mais c'est pour moi des animaux super simples de maintien. Puis c'est fascinant, moi, leur tête comme ça avec la crête, leur bouille, je trouve ça vraiment kiffant. Et puis les colorations, chacun est unique, ils ont chacun leur couleur. Blanc, noir, marron, tout ce que vous voulez, quoi.
avec des nuances de couleurs. Et puis, le maintien est super simple, c'est super agréable. Franchement, les GECO, c'est top. Je vois que toi, tu es un grand fan de GECO. Ouais, franchement, je kiffe ça. C'est super simple au maintien. Les investissements pour maintenir ces animaux, c'est pas très coûteux, vu que ça vit en température ambiante. La nourriture aussi. Ça mange aussi. De la nourriture aussi. Et puis, ils sont choupes et puis c'est tellement coloré. Yeah, c'est vraiment... Ben, on voit là les grosses différences quand même hein, sur la même espèce, du super dalmatien, du raid, du crime. Et puis, j'en ai encore pas mal. Super, on passe à une autre espèce. Yes. Bon, c'est parti pour le moment, Morelia. Ouais, je pense qu'il y a une belle brochette là. Vraiment tout sur les branches, c'est assez cool. Non, il y a du beau monde, donc il y a pas mal de localités. Ouais. On va commencer, on va dire du plus classique au plus impressionnant. Allez, dis-moi tout. Là, du coup, on part sur des biaques, donc celle qui est juste ici, du coup, on se retrouve avec une petite femelle, du coup, qui est en mue. Là, classique. Ça, c'est une femelle? Ouais, c'est ça. Ça, c'est la femelle. On reconnaît bien le mâle, parce que tu vois, le mâle, il a un peu plus de jaune sur la tête. Il est quand même beaucoup plus petit. Tu vois, morphologiquement, tu es un peu plus fin. Mais là, la femelle, elle est en train de me faire une mue. Et là, ce sont des animaux qui ont quel âge, à peu près? Là, on est sur du 2022. Voilà, on est un peu sur du sub adulte, on va dire. C'est ça. Et là, du coup, ils ont presque fini leur changement ou ils ont terminé, tu penses? Pour les biaques, celle-ci, c'est sûr et certain qu'elle a fini. Moi, je la vois pas devenir plus vert. Après, c'est ce que je pense, hein, à 99%. Même si des fois, du jour au lendemain, on peut avoir un peu plus de vert qui se déclenche, tout ça. Le mâle, je pense très sérieusement qu'il va garder le jaune sur la tête. Et franchement, son jaune, il est magnifique. Ouais. Vraiment très, très beau spécimen de biaque. Et après, du coup, on va voir du harou. Alors, il y a beaucoup de gens qui aiment le harou. Là, on se retrouve sur du harou. Moi, j'appelle ça du white-white. Bon, c'est quand même une femelle qui a pas mal de blanc, je trouve. Ouais. Donc, très, très beau spécimen. On reconnaît bien vraiment les belles lignes de blanc comme ça. Et puis, du coup, on va retrouver aussi du bleu au niveau des flancs. Et après, mon petit bijou. Mon petit bijou, du coup, du designer. Donc, pour ceux qui connaissent pas le designer, en fait, c'est un mélange de plusieurs localités pour faire des bêtes qui sont vraiment impressionnants. Donc, souvent, on retrouve beaucoup de designers aux US. Ouais. Ou alors dans d'autres pays, parce qu'en France, les gens aiment pas trop faire des mélanges de localités. Mais quand vous voyez ça, là, on est sur un fin de changement autogénique. Le bas du corps qui reste bien jaune avec plein de petites lignes bleues sur le dos. Vraiment un spécimen qui est magnifique. Donc là, j'en ai un couple. La femelle, c'est vraiment la plus impressionnante. Et je pense que ça va donner des bébés qui sont magnifiques. Franchement, vraiment c'est très, 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 très beau. Des pixels de jaune, c'est quand même assez fou. L'autre sens. Et ça, vraiment, je kiffe. Donc, si jamais, designer, là, c'est un mélange de plusieurs localités. On va retrouver du sorong, du jayapura, donc qui vont former, du coup, cet aspect bleu sur la dorsale, et le biak qui va, du coup, apporter plus de jaune sur l'animal. Franchement, voilà. C'est des animaux qui sont exceptionnellement beaux. Mmh. Et franchement, le viridis, bah, moi, personnellement, c'est un peu ma marque de fabrique. J'adore ça. Je trouve ça, toutes les localités, je trouve ça magnifique. Que ça soit les harou, les biak, les sorongs, les RF, hein, des localités, il y en a limite. Du coup, quel conseil tu pourrais donner un peu pour le maintien de cette espèce qui fait un peu peur, ouais, au vu de sa fragilité, si on peut dire? Le conseil le plus important que je peux vous donner si vous vous lancez dans du viridis, c'est la température ambiante. C'est le truc le plus important et je trouve qu'il n'est pas assez mis en avant. En fait, ils peuvent avoir un point chaud à 28 degrés, 29 degrés, dans ce cas-là, c'est très bien. Mais s'ils partent du point chaud et qu'ils se retrouvent à la température ambiante de la pièce, dans un intérieurement vert, à 19 degrés ou à peine 20 degrés, bah il y aura un gros problème. En fait, surtout les terrariums verts qui font une déperdition de température qui est assez grosse. Ouais, du coup tu conseilles de pas maintenir les Morelia viridis dans des terrariums verts, c'est ça? Alors pour expliquer un peu l'histoire vraiment vite fait sans rentrer dans les gros détails, avant j'avais des terrariums verts et j'ai eu un animal qui est arrivé avec du coup un problème respiratoire. Et puis du coup le problème c'est que toute ma pièce du coup a été contaminée parce que du coup terrariums verts, courant d'air, tout de suite, voilà, ça amplifie la maladie, donc c'est du coup une pneumonie. Et ce qu'on peut retrouver aussi sur les viridis, c'est le nidovirus. Alors ça, ça fait peur à tout le monde. Direct, quand on dit viridis, on pense à nidovirus, attention, on peut avoir des gros problèmes, on peut perdre une pièce en entier. Il faut savoir que le nido est quand même assez rare. Généralement, c'est plus des pneumonies ou des stomatites. Et le nidovirus, il est de partout. Hein. Il est sur tous les pythonidés. Hein. Donc, oui, puis, votre réjus peut avoir le nidovirus. Ce qu'il faut savoir, c'est que le nido, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Ça date de pas mal d'années déjà. Exactement.
Aujourd'hui, on peut faire des tests. Je sais qu'on peut faire des tests, mais c'est uniquement en Angleterre, je crois. Alors, on peut faire des tests en France. Moi, exemple, je vends mes Viridis parce que à plusieurs personnes, que ce soit des particuliers ou des professionnels, et je demande aux gens, si vous voulez, je peux faire un test nidovirus. Il y a, hop là. On a eu une dispensation. Alors, en soi, elle est en mue. Bon, en vrai, je voulais pas que ça arrive parce que faut pas que les biacs gardent cette réputation de mordeur. Je vais montrer le mal et puis je vais peut-être manipuler le mal. Comme ça, j'espère qu'on va pouvoir passer cet aspect-là d'agressivité. Après, voilà, le biac, ce qu'il faut savoir, c'est une localité très peureuse. Alors, c'est ça, c'est vraiment. Ils ont tendance comme ça à flipper un peu pour rien. C'est vraiment la localité qui veut ça. Moi, j'aimerais vraiment bien comprendre ça. Ouais. Pourquoi c'est le biac? Pourquoi? Parce que sur les localités comme là, c'est beaucoup plus placide, c'est moins peureux. Ouais, mais pourquoi un Harou, ça serait moins peureux qu'un Biac? Pourtant, les Biacs sont quasiment c'est la plus grosse localité. C'est la plus grosse localité de Morlaix-Villiers. Des spécimens qui peuvent être énormes. Et logiquement, c'est plus, pour moi, ça serait plus les petites localités, tu vois, qui devraient être plus stressées, tu vois. Mais, tu vois, là, on regarde le Harou, très, très calme, plutôt cool. Le designer, pareil, vraiment très, très calme. Et le Biac, on peut voir, alors, je dirais pas qu'il est mordeur, je dirais qu'il est peut-être un peu plus stressé, craintif et vif. Voilà. Mais sinon, vous voyez, je le manipule très bien. Après, oui, en main, c'est vrai que les Morlaix-Villiers en main, après, ça se calme. C'est vraiment leur côté quand ils sont dans leur terra ou sur une branche, que là, c'est ils sont vachement aux aguets. Et c'est après, une manipulation en main, généralement, ça se passe bien aussi. Mais comme beaucoup d'animaux, on a vraiment cet aspect-là de territoire. Moi, je vois ma beauté bleue en terrarium, elle peut être parfois agressive, mais en main, super cool. Et vous voyez, là, le Viridis, le biac, alors moi, je le connais vraiment, vraiment bien, donc il n'y a pas de souci. Je peux le mettre proche de moi, je sais qu'il n'y aura pas de morsure. Mais j'aimerais un peu qu'on enlève cet aspect-là de tous les Viridis sont agressifs, parce que c'est pas le cas. Les biacs sont peut-être un peu plus stressés, mais vous prenez un Harou, un Jayapura, il sera super cool. Moi, je me suis jamais fait mordre. La seule fois où je me suis fait mordre, on va dire, sur du Viridis, c'était sur du juvénile. Biac qui était... là, pour le coup, c'était vraiment une agrafe. Celui-là, j'avais beau y aller doucement, je me faisais mordre très souvent. Après, je vais dire que c'est un peu normal... parce c'est que des bébés qu'ils ont. C'est ça. Il y a beaucoup de gens qui oublient ça, mais un serpent, c'est 100 fois plus petit que nous. Imaginez-vous, vous êtes dans votre chambre, il y a un géant qui arrive, qui soulève le toit de votre maison, qui essaie de vous choper. Bah forcément, ça peut vous faire peur. Et en soi, les reptiles, surtout les serpents, moi, j'essaye de faire sur les réseaux sociaux un peu de désensibilisation pour montrer que voilà, il y a pas d'agressivité. Non, c'est une manière d'approcher les animaux qui est très importante. Mmh. Après, il y a moi, comme je dis souvent, après, je sais pas. Mais on manipule pas un Morlaix-Villiers comme on manipule un serpent des blés. Il y a des choses que le serpent des blés va tolérer, que ça va passer. Il y a des gestes un peu brusques. Chez d'autres espèces, ça va déclencher une morsure. En fait, un Viridis, pour moi, ça se manipule pas comme un Python régius, et un Python régius, ça se manipule pas comme un autre. Ouais, c'est ça. En fait, ils sont tous différents. Mais même, en fait, on retrouve même dans les mœurs, quand on arrive devant un Viridis qui a du coup arboricole, on va pas y aller, exemple, par le dessus. Et en fait, ça peut sembler plutôt normal parce que dans la nature, en soi, les prédateurs qu'ils peuvent avoir, exemple les oiseaux, tout ça, vont venir par le dessus avec leur serre. Donc, on va éviter de venir direct chercher un Viridis par le dessus, faire des gros mouvements brusques, tout ça. Une méthode d'approche. Hein. C'est ça. Moi, je les prends tout le temps par le dessous. Bah, de toute façon, on l'a bien vu en vidéo. On le prend doucement par le dessous. On y va très calmement. On n'y va pas en se dépêchant, tout ça. Et si on y va calmement, le serpent va bien le rendre. C'est en général. Voilà. Pour la partie des Viridis, c'est une superbe espèce. Super espèce. J'espère que vous aimez. Moi, je passe un très bon moment. Mmh. On va se faire ton dernier Morelia. Ouais, on va montrer une espèce de Morelia. Et puis, la vidéo va se terminer. N'oubliez pas de liker, s'abonner, partager la vidéo. C'est ça. Et n'oubliez pas en commentaire de mettre l'espèce que vous avez préférée. C'est ça. Que ce soit en serpent ou en gecko, il y a du beau monde ici. Allez, on se fait la deuxième. Bah, on se retrouve avec les derniers de ta petite maison. Exactement. Morelia McDowelli. Une espèce vraiment sympa, assez quand même assez grosse. Hein. C'est du coup quand même un cousin du Viridis, mais par contre en termes de taille, vous pouvez voir que c'est vraiment balèze. Ouais, le McDowelli, c'est le plus grand représentant dans la famille des Spilota avec le Spilota Spilota, le Python Diamant. Yes. Et là, la particularité, c'est qu'ils sont albinos. C'est ça. Alors du coup, là, t'as le mâle qui est albinos, et puis moi, du coup, j'ai la femelle qui est Tiger. Donc là, on est à peu près sur du, je dirais quand même 4 kilos à peu près. Mais du coup, il y a une petite spécificité. On en parlait juste avant, mais c'est du coup que la femelle a le wobble. Donc pour ceux qui connaissent pas, ça peut arriver de temps en temps, donc ça peut être soit une anomalie génétique ou soit des fois par spécimen, ça arrive de temps en temps. C'est que en fait, comme on disait, c'est assez neurologique. En fait, ils ont du mal à se situer un peu dans l'espace ou ça. Donc des fois, on les retrouve à se retourner un peu. C'est ça. En fait, le wobble, c'est un manque. Ils n'ont pas la possibilité de
savoir où ils sont dans l'espace. Du coup, eh ben, ils cherchent constamment s'ils sont au droit, du moins à l'horizontale, à la verticale. En fait, c'est ils n'ont pas cette... Et ça, c'est quelque chose qui est très... C'est plutôt commun sous McDowelly. Sous les autres sous-espèces, un peu moins. Mm. Mais le McDowelly a... C'est ça, que ce soit une mutation génétique ou pas, même. Mutation albinos ou pas, ça n'a rien à voir, c'est l'espèce. Mm. C'est vrai que c'est assez impressionnant. C'est impressionnant. Mais par contre, vous voyez, quand elle fait ça, là, c'est vraiment, on arrive vraiment à voir que c'est du wobble, parce qu'un serpent classique ne va pas se retourner, se mettre sur le... Comme lui, par exemple, il n'a pas le wobble. C'est ça. Ben, il cherche pas dans l'espace. À se retourner et à galérer. Quand elle est vraiment en stress, ça se voit vraiment. Mais par contre, c'est des animaux qui peuvent quand même manger, qui peuvent boire, et ils peuvent vivre des années. Bien sûr. Sans aucun souci, mais c'est juste là qu'elle aura un petit peu du mal à se retrouver. En soi, en terra, elle me le montre très rarement, c'est-à-dire qu'elle est plutôt calme, posée dans son coin, point chaud, point froid, mais quand elle est vraiment en stress, c'est-à-dire quand je la sors et qu'elle a pas ses points pour vraiment se poser tranquillement, se repérer dans l'espace, c'est ça, et ben du coup elle est vraiment en stress à se retourner. Ce qu'il faut savoir sur le wobble aussi, c'est que on peut avoir un spécimen qui n'a pas, mais qui peut le déclencher des années après. Exactement. C'est génétiquement un problème qui c'est où il le déclare le wobble, où il le déclarera pas, ou peut-être plus tard. C'est à prendre en considération. Ouais, c'est vraiment particulier. Parce que voilà, j'ai entendu que des individus qui ne l'avaient pas pendant les premières années de leur vie l'ont déclaré peut-être à 10 ans, ou il y a pas d'âge, ou jamais. C'est ça. Voilà. Ouais, et ça, on peut pas le prévoir à l'avance. Mm. Et puis aussi une petite chose qu'on pourrait rajouter, qu'on parlait aussi. Vous l'entendez peut-être dans le micro, mais en fait, on entend qu'elle est un petit peu prise au niveau du nez. Alors ça, on peut aussi en parler pour les gens qui ont du viridis et qui se posaient peut-être la question, parce que honnêtement, sur les forums, moi, j'ai jamais vu des gens parler de ça. Quand on a des animaux qui se rapprochent, on va dire, qui sont bientôt en mue, comme celle-ci, alors on a du mal à le voir parce qu'elle est albinos. Mais moi, je trouve que les Morelia, quand ils sont en mue, certains en tout cas, en fait, vont avoir un peu un excès de mucus, donc que ça soit de partout, hein, soit sur le corps, mais généralement, ça se déclenche vraiment au niveau des narines. Et en fait, on a l'impression, vous voyez, ça fait vraiment du coup un peu de la bave, tout ça. Donc moi, ça me faisait peur parce que généralement, bah, c'est souvent un symptôme d'une pneumonie ou même d'une nidovirus. Donc je me suis tout de suite dit, voilà, c'est un gros problème, faut le traiter, tout ça. Et après, ça mue. Plus rien du tout. Plus rien du tout, ouais. Et du coup, on en parlait. Même ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé aussi. Sur du viridis, moi, ça m'est déjà arrivé. Et le jour prochain, elle finit sa mue. Plus rien du tout, plus prise au niveau du nez. Et c'était vraiment un spécimen qui me faisait tout le temps ça. Donc après, j'ai fait des analyses et c'était... j'avais pas de pneumonie, ni de virus, tout ça. Et voilà, ce qui est dommage, c'est que j'ai jamais vu ça sur des forums. Très peu de gens qui en parlent. Et je trouve que ça peut être cool d'en parler au moins dans une vidéo. Bien sûr. Des gens peut-être se reconnaîtront. Après... Ne pas prendre non plus ça à la légère en disant ce qu'on vient de dire, c'est pas grave. Faites attention quand même à si votre animal, mais ça peut arriver pour un animal sain. Voilà. Mais c'est spontané, il n'y a pas de suite. Si vous voyez, par exemple, pendant 3 semaines, elle fait des grosses bulles, elle est énormément prise, elle est très très lente, elle mange plus du tout. Peut-être falloir s'inquiéter et commencer à faire des tests. Mais voilà. C'est ça. C'est ce que je recommande. En tout cas, c'est vraiment d'être sûr. C'était une information qu'on voulait donner parce que ça arrive. Mm. Mais il faut que ça se termine. Il faut pas que ça continue. C'est ça. Puis c'était aussi, peut-être il y a des gens qui sont inquiétés. Même moi, le premier, j'ai vu ça, je me suis tout de suite dit direct, j'ai peur pour tout mon cheptel, hein, parce que le nidovirus, ça touche maintenant quasiment tous les reptiles, les serpents, tout ça. Il y a même maintenant des cas sur des tortues, que j'ai pu voir, de ce que j'ai pu entendre. En tout cas, moi, j'en ai jamais vu. Hein. La seule chose où j'en ai vu, c'était sur du Régus et sur du Morelia. Mais voilà. C'était à titre informatif. Vraiment, par exemple, des gros spécimens. Donc, faut prévoir aussi les terras. C'est le McDowelly. Le McDowelly, c'est l'un des plus grands. Et encore, là, on n'est pas sur des, je sais que la femelle, elle est quand même balèze, mais elle peut bien grossir. Ah oui, elle va grandir encore et grossir encore. Il y a des spécimens. Tu penses que c'est quoi, toi, à peu près la taille, une taille pour de la grosse femelle? Femelle, ça ramène les 3 mètres. Ouais, c'est ça. Oui, 3 mètres. Et puis c'est quand même aussi imposant, c'est pas 3 mètres fin, c'est pas 3 mètres de couleuvre, c'est 3 mètres de... C'est un gros piton. Gros piton, ouais. La famille des Morelia, ce sont des gros pitons. Hein. Mm. Du moins, les Spilotas. Voilà. Là, je pense qu'on doit être sur du... peut-être un peu plus d'un mètre 50, quoi, du 1m60, ou 1m80. Là, t'es 1m80 au moins. Ouais. Voilà. Vraiment big. Et puis du coup, ce qui est cool, c'est que c'est aussi un peu arboricole. Moi, j'en ai pas mal de branches, ça, et c'est cool de les voir vraiment en l'air. C'est vraiment sympa, quoi. Après, ce ne sont pas non plus des agrafeuses. C'est ça. Très calme. Quand on connaît les codes, ça se passe super bien. Mm. Notre comportement dépend beaucoup, beaucoup, beaucoup de leur réaction.
Exact. Baptiste, je te remercie. Bah franchement, c'était super cool. Ouais, super cool. J'espère on va se revoir. Ça, bah avec plaisir sur les bourses. Hein, bien sûr, et même je ferai une petite annonce prochainement pour Reptilion. D'ailleurs, t'as fait la tienne, il me semble. Pour Reptilion. Sur Reptilion, tout ça. Ouais, vous allez pouvoir me retrouver à Reptilion aussi. Ça va être cool. Et puis toi aussi, pareil, t'as des bons projets sur des espèces qui sortent un peu de l'ordinaire. Donc c'est cool. Moi, je félicite un peu tous les éleveurs qui ont des projets cool comme ça, quoi. C'est sûr. En tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. N'oubliez pas le like, le partage, l'abonnement, comme d'hab. Puis dans les commentaires, à dire l'espèce qui vous a le plus plu. C'est ça. Et puis on se retrouve prochainement pour la prochaine vidéo. Je sais pas si ça se dit, mais on se retrouve pour la prochaine vidéo. Et puis, bye bye. Bye bye.